Ecclesia. Amen. Et je crois, vous me connaissez. Il y a de ces gens-là qui ne me connaissent pas. Parce que ça, ce n'est pas ma première fois que je viens. C'est le pasteur Jean-Baptiste Nzuzi de l'Assemblée chrétienne de Marine à l'IPEN. Et je suis venu ici avec un grand nombre qui m'a accompagné. S'il vous pouvez tous lever vos mains là où vous êtes. Et ils sont venus vous soutenir. Amen. Amen. Malgré que la pluie a voulu nous déranger. Mais Dieu quand même nous a fait grâce d'être là. Que son nom soit loué à jamais. Parce que dans ce monde, s'il y a un homme qu'il faut élever, louer, ça doit être le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prendre nos Bibles et ouvrir les livres d'un roi 17. En commençant par le premier verset jusqu'au 9e, je crois, 9e verset. Un roi 17, 1, 9. Un roi 17, 1 à 9. Mokanda liboso ya bakonzi mokapo ya zombi na sambo utanzela liboso kino libwa. Ok, vous y êtes? Bokomi esika yango. Eli de Tishibite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab. Elia moko ya bavali na mboka ya Tishibite alobi na Akab. L'Éternel est vivant. Yahweh a sali la bomoye. Le Dieu d'Israël, Zabena Israël, dont je suis le serviteur. Oh Maï Nazali ko salila. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Egozala bambula oyoyo, mwemwete mbula te bobele kaka ndenge na lobi. Eh, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. De maloba la Yahweh et bilobama ki et pas la Élie na maloba boye. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Loma awa pekende na nzela na to na Kérit kuna kerego mibomba na sena libanga la Kérit qui est en face du Jourdain. Libanga oyo ezali liboso na ebale na Yaladene. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il a s'est établi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. L'isima et kaukaki. Car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Élie, chez la veuve de Sarepta, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, Élie. Élie, Téléma. Lève-toi, va à Sarepta. Qui appartient à Sidon. Et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dala na posibitindo
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire les Écritures et nous avons besoin de ta présence pour interpréter ces Écritures. Conduis-nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Et nous voulons à tout esprit qu'il confesse pas ton nom d'être éloigné de cet endroit au nom de Jésus. Et que l'onction du Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes choses. Et écarte-le du chemin, Seigneur. Et toi-même, tu parles à ton peuple. Ton peuple est là. Dispose leur cœur. Et ouvre leurs oreilles. Ils puissent recevoir quelque chose venant de ta part. Commence avec nous les cultes. Et que tu les termines aussi avec nous. Et l'onction du Saint-Esprit puisse prendre la conduite de toutes choses. Accorde-nous cela, Seigneur, pour ton amour. Délivre les captifs. Guéris les malades. Accorde la solution à ceux qui ont des problèmes. Soit avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de nouveau. Et qu'il ajoute ses bénédictions sur la lecture de sa parole. Qu'il bénisse aussi le pasteur Pacheli qui est responsable ici. Et tous ceux qui servent Dieu ici. Mais au nom de Jésus-Christ. Et salut la bango na combo na Jésus Christ. Amen. Amen. Je vais prêcher d'un petit sujet. Na côté à l'ité ya boko mukuse. Intitulé Soyez certains de Dieu. Na bengi l'ité yango ndimi sama penza ete ewuti na nzambe to ezali nzambe. Oh, la veuve de Sarepta. To na kokende kolobela ngona ndenge mosusu mwasa kufila mobali ya mboka Sarepta. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que c'était à l'époque où les enfants d'Israël ont désobéi à la parole de Dieu. Que la famine a bâti Israël. Zala eyaki ebetaki Israël. À travers la parole d'Elie. Parce qu'Elie était un serviteur de Dieu. Oui. Et comme les gens ne voulaient plus obéir à la parole de Dieu. Alors Elie a prononcé la parole. Mais Elie a lobaki maloba. Il a dit qu'il n'y aura plus ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Elie a lobaki mboule. Et il a fait plus de 3 ans et demi sans qu'il y ait la pluie. Alors il y a une grande sécheresse à Israël. Et c'est cela qui a amené une grande famine. Qui a poussé à ces gens-là de manger même les écorces d'arbres. Et tu dis que Israël la tango la bali à la poussante. De manger même les enfants. Ah, comment ils vont lire à ta balle à la bango? Oui. Yo. Tellement qu'il n'y avait plus rien à manger. Le corps est là, c'est là qu'il souffre. Il n'y avait ni farine ni quoi. Et c'est là qu'il souffre, foufouté le côté. Parce qu'il n'y avait pas moyen qu'il plante ou qu'il sème parce qu'il ne pleuvait plus. Pour te m'accorder à Colonna, il y a que ça la bilanga, toi dis, c'est là qu'il souffre. Alors cela a amené un grand problème à l'Israël. Et c'est à cette époque même que vivait la veuve de Sarepta en Israël. Et moi, si on a couffé la kibaba, c'est là qu'on en Israël. Avec son enfant de 3 à 4 ans. Mais malgré qu'elle était veuve, païenne, elle vivait dans la crainte de la parole de Dieu. Chaque fois qu'elle priait là, Dieu a exaucé sa prière. C'est pourquoi Dieu est celui qui exauce la prière des enfants de Dieu. Il est celui qui écoute tout le monde.
Peu importe le temps, vous pouvez vous trouver. Peu importe le temps, vous devez être. Si vous essayez de chercher ce Dieu-là, si vous l'appelez, il viendra certainement. Il est celui qui ne manque jamais à l'invitation. Si vous l'appelez, que vous soyez dans la forêt, que vous soyez dans la cuisine, que vous soyez n'importe où, il viendra certainement. Parce qu'il écoute la prière des saints. C'était à cette époque-là que cette veuve-là vivait là-bas. Elle n'avait rien pour s'en servir. Elle est restée tout simplement avec une poignée de la farine et un peu d'huile. Ils attendaient manger cela et mourir. Oui. Mais quand vous invoquez Dieu, quand vous le cherchez avec tout votre cœur, soyez assis qu'il viendra certainement. La Bible dit, si vous pouvez reconnaître que Dieu existe, et que vous l'invoquez, il viendra certainement. Même si tout sombre, et tout ce que vous faites ne marche pas, mais soyez ainsi qu'il viendra. Il viendra à votre secours. Notre Dieu vient toujours en dernière minute. Quand vous commencez à combattre, vous essayez de chercher par-ci par-là. Regardez de gauche à droite. Il n'y a pas un secours. Mais lui, il est un secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Il est celui qui voit à l'invisible. Il est celui qui sonde vos pensées. Il est celui qui sonde même les pensées du cœur. Il voit à l'invisible. Même là où vous êtes, lui connaît votre désir. Il connaît vos pensées. Amen. Parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Oui, il est vivant au siècle des siècles. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans tout ce que vous faites, placez Jésus en premier lieu. Mettez-le en première position. Dans tout ce que vous faites, que ce soit dans vos activités, dans votre commerce, tout ce que vous faites là, mettez Jésus en premier lieu. Que lui soit votre conducteur. Que lui soit votre guide. Et il ne vous abandonnera jamais. Les problèmes aujourd'hui avec les chrétiens, c'est quoi? Quand ils commencent à faire quelque chose, ou peut-être la chose évolue très bien, ils mettent Jésus de côté. Il oublie que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. C'est lui qui est pas la source intarissable. Amen. Amen. Cette femme-là ne faisait qu'évoquer le son Dieu. Moi, si on a, Seigneur, je n'ai pas de la nourriture ici. Bientôt que cette petite quantité de farine, ma farine sera épuisée. Et aussi là, alors moi, je veux mourir avec mon enfant. Amen. Amen. Je veux mourir avec mon enfant. Or, Dieu voyait déjà la pensée de cette veuve-là. Elle ne travaillait même pas. Elle n'avait même pas un boulot. Elle était la veuve, son mari était mort. Il était mort pendant la guerre. Oui. Elle est restée là avec son enfant. Et comme Dieu écoute la prière de ses enfants, il dira au prophète Élie, que lève-toi, quitte ici. Va à Sarepta. Il y a une veuve là. Il va te nourrir. Maintenant, quand Élie est arrivé là,
Elie a commis kuna. Qu'est-ce qui s'est passé? Nino Salabaki. La Bible dit. Bible le dit. Que quand Elie est arrivé tout près de la maison de cette veuve là. Tango Elie a commis pour le lendemain comme la moissonne. Elle a trouvé cette veuve là en train de ramasser le bois. A kuta ki moissonne zali ko logo tabakoni. Et il lui dira. Alors bien allez. Femme, voici. Fais-moi un gâteau. La belle non lipa. La femme s'est regardée là où elle était. Moi ça m'étale. Elle a dit ah. Alors bien oh. Mais quelle épreuve! Oyo le mekamandegenin. Quelle situation compliquée! Oyo ezaliko mekamandegenin. Je n'ai qu'une petite poignée de farine. Nazaga osoki na sakombia farine. Si j'en mange, soki kaka tuliango. Et il en est fini. Ecosse la langue pays. Peut-être nous allons mourir de moment à l'autre avec mon enfant. Si balanga kolia na mwana ngai, si balanga to kokufa na biso. La femme lui Elie lui dira. Elie le bina ye. Femme, fais-moi d'abord un gâteau. Maman, salanga na lumu to liboso lipa. La femme est tournée. Moi, c'est Baluki. Il est allé quoi? Fabriquer les, mettre les bois là-bas et allumer du feu. Accueilli, appelé ses moto. Et il a préparé les gâteaux pour Elie. Pe alambi lipa pour Elia. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni de Salemagi. Quand la femme a préparé les gâteaux. Tango moi, salambi lipa oyo. Qu'il a donné à Elie qui en a mangé. Après c'est Elie, après Elie allié. Et la femme en retournant, moi aussi, regardez dans son pot. La farine ne se terminait plus. Fufu wana et balaki ko sila lisusu te. L'huile ne se terminait plus. Ma foute c'est là qui suko sila te. Pourquoi? Pour la ligne. Parce que la femme a obéi à la volonté parfaite de Dieu. Pente moi soyo a tosa ki bo kale bongi be ya nzambe. C'est pourquoi la main moindre petite chose. De bongo tila likamu niyo sota. Et vous allez faire un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu. Oh ko yiko sala mo la nzambe to bo sala nzambe. Soyez en sûr que Dieu vous bénira davantage. Yeba et nzambe ko pombo logo leka. Vous ne manquerez de rien. Et votre peau ne s'épuisera jamais. Amen. Amen. La farine sera toujours là. Ma farine est cause de la tangue de Souana. Oui, et il a fabriqué pour Elie. Ah, ça va qu'il y a pour Elie. Elie a bel et bien mangé. Elie a lié tout Benza. Et à la fin de compte, si Malango, la veuve tournera là pour voir. Moi, c'est Balouki Bagay le Gotala sous la quantité qui est restée là. Attends, la soquette à moi, loup, oh, il a trouvé une grande quantité là. Accueille à Kouti, quantité belle sous sa farine. Amen. Amen. Et la veuve, le serpent a vite compris que Dieu est vivant. Pour moi, ce coup, il faut que la serpent. Oui, elle a vite compris que Dieu est vivant. Et c'est lui qui a envoyé son serviteur. Et le fait d'obéir à ce serviteur-là. Oh, la farine ne s'épuisait plus. Farine ne s'épuisait plus. Amen. Il dit quelque chose. Il dit, donc nous n'avons pas à... Nous n'avons pas été destinés à faire quoi que ce soit d'autre que de nous s'en tenir à cette parole. Oui, vous ne pouvez rien faire. Tenez-vous tout simplement dans la parole de Dieu. Restez toujours dans la promesse de Dieu. Et tout ne faillira plus. Parce que le fait de rester fidèle à la parole de Dieu. Dieu sera l'omniprésent, l'omnipotent dans votre marche spirituelle. Et tout ce que vous allez faire aboutira toujours. Il n'y aura pas d'échec. C'est pourquoi je viens de dire que dans tout ce que vous faites, placez Jésus en premier lieu. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui notre chemin. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Si vous voulez être béni, restez toujours derrière la parole de Dieu. Quand les gens de ce monde sont troublés dans les choses du monde, vous ne suivez pas ce mouvement-là. C'est en Christ qu'il y a toutes les bénédictions possibles. Ma
Christ. Oui. Io. Parce qu'aujourd'hui, oui, que font les gens? Ils voient que tout ce qu'ils font là ne marche pas. So, gaboni, a meki, meki, so, et il va consulter quelque chose. A quelque tout le monde ah, il va voir le mandon à quelque part. Il va entrer dans des loges. A quelque, le côté, la magie. Prendre ces choses là, c'est bien. Quoi, que, le, c'est pas là. Mais ce sont des choses qui durent moins de temps. Quand ce, biloko, la côté. Ce sont des choses qui ne peuvent pas vous amener à la vie éternelle. Il y a un homme qui peut vous amener à la vie éternelle. Son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et c'est lui qui bénit de toutes sortes de bénédictions. Amen. Amen. Si la veuve appelait une autre personne, peut-être tout ne devait pas marcher. Mais comme il s'est référé à son Dieu, oh, mais quand même, il a réussi une réussite quand même. Oh, ah, c'était une réussite totale. Dieu ne lui a pas abandonné. Malgré qu'il lui a envoyé son serviteur vivre là. Mais le fait de recevoir son serviteur était déjà la source de bénédiction. Et c'est là que Bandeli a l'épandoli. Amen. Amen. Sinon cette veuve allait mourir dans moins de temps. Ce qui te boisson, elle gagne coup à battre moqué. Amen. Amen. Quand un homme entre une fois dans la présence de Dieu, il est changé pour toujours. Si en lui un changement est possible, en effet, certaines personnes peuvent entrer dans sa présence, ni prêter aucune attention. L'église Kasayabite Genzamba Yaki. Lui, yeah. Il n'est pas destiné à la vie. Motobongo Zamba Bongisa Pola Kozwa Bomoite. Mais Kasi, s'il a été prédestiné par Dieu, Soka Bongisa Pola Nzambo Taliboso, dès que le premier contact se fait, Tango Kaka Zamba Kiti. Il le reconnaît. Un feu se déclenche. Alléluia. Amen. C'est ce que devaient recevoir les enfants de Dieu aujourd'hui. Il y a beaucoup qui viennent écouter la parole de Dieu. Mais ils ne changent pas. Ils écoutent la parole de Dieu. Mais sa vie n'est pas transformée. Peut-être qu'il n'est pas prédestiné. Ou peut-être il est un hypocrite. Amen. Amen. Peut-être qu'il est un hypocrite. Mais la Bible dit que si vous arrangez votre vie, vous confessez tous les péchés, tout ce qui peut vous empêcher d'entrer en contact avec votre Dieu, alors invoquez-les. Il viendra. Il vous bénira. Il vous accordera la solution. Peu importe la direction qu'avait fait ce problème-là. Si vous pouvez reconnaître que Dieu est vivant, c'est à la minute même que vous recevez votre solution. Amen. Amen. Le secret de cette veuve-là était la prière. Oui, elle respectait la parole de Dieu. Et c'est cela qui a fait que Dieu lui envoie son serviteur Élie. Amen. Amen. Le moment qu'ils attendaient terminer ce poignet de farine et mourir avec son enfant, oh, Dieu a pourvu d'un chemin ou une voix. Dieu a pourvu d'une voix. C'est ce que Dieu fait même pour nous qui sommes ici. Des fois même, vous pouvez vous réveiller le matin, vous regardez de gauche à droite, il n'y a rien à manger. Peut-être vous avez un besoin qui ne trouve pas solution. Mais au moment opportun, Dieu qui voit à l'invisible est capable de vous envoyer quelqu'un soutenir dans ces problèmes-là. Mais le problème c'est quoi? C'est de rester fidèle à la parole de Dieu. Dieu aime les gens qui sont sincères. Les gens qui ne sont pas des hypocrites.
les gens qui ne marchent pas de gauche à droite, les gens qui peuvent se tenir là et défier même le diable, défier même le monde et s'attacher totalement et complètement à Christ. Amen. Amen. C'est la chose qui a attiré l'attention de Dieu à travers Josué. Josué était un vaillant combattant. Il ne pouvait jamais reculer en arrière. Que ça soit dans la bataille, même dans les promesses de Dieu, il se tenait là. Amen. Amen. Et il avait la silence à son Dieu. Josué pouvait se tenir là. Prononcer la parole. Soleil, oui. Arrête-toi à Gabaon. Comme il voulait faire la conquête de toutes ces villes-là. Et le soleil s'est arrêté. Vous croyez c'est en vain que le soleil s'est arrêté? C'est parce que Josué était un enfant de Dieu. Il menait une vie de sainteté. Amen. Amen. La vie chrétienne que vous allez mener dans votre vie fera que vous puissiez prospérer. Que vous soyez bénis. Et vous puissiez aller encore plus loin. Et partout vous allez passer, rien ne vous tiendra. Pourquoi? L'esprit de Dieu qui est en vous est plus fort que l'esprit de ce monde. Amen. Amen. Mais à condition d'être certain qu'il est Dieu, vous devez être certain qu'il est Dieu. Oui. Les problèmes peuvent vous arriver. Des situations compliquées peuvent vous arriver. Mais si vous reconnaissez ce Dieu-là, il est capable de résoudre tous vos problèmes. C'est lui qui laisse les épreuves et les tests vous arriver. Et il ne peut pas vous laisser aller au-delà de votre entendement. Amen. Amen. Lisons quelque chose ici. Il dit ceci. Vous savez, Dieu aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Savez-vous cela? C'est comme si vous ne suivez pas. Oh. Vous êtes distrait, vous ne suivez pas. Dieu aime nous mettre à l'épreuve. Amen. Amen. Il aime voir la réaction de votre foi. Savez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Quand vous dites, oh Seigneur, je te crois, tu es mon sauveur, je crois que tu es le guérisseur, je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit, je crois que tu es celui qui bénit ses enfants de toutes les bénédictions. Qui est le Dieu qui les donne? Alors vous confessez tous vos péchés et faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire s'il vous permet de vous rétablir. Quand vous êtes malade, vous donnez une promesse. Ce que vous allez faire si Dieu vous donne beaucoup d'argent. Et ensuite, parce que ça n'arrive pas, le col est soyaté. Vous dégrivissez comme un lâche. Dieu ne peut pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument pas vous répondre. Puisqu'il ne répond que par
la foi. Tout à coup, vous allez aller. Et alors, il ne peut pas répondre. Mais une foi réelle et véritable restera là. Amen. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Amen. Pour recevoir quoi que ce soit à Dieu, vous devez avoir la foi. La foi, c'est une substance. Des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Amen. Amen. Vous dites, si je demande telle chose, Dieu va me répondre. Dieu va me l'accorder. C'est cette foi-là qui fera que Dieu vous accorde ce que vous avez besoin. Vous vous demandez quelque chose à Dieu sans avoir la foi. Comment Dieu vous bénira? Il ne vous bénira pas parce que vous ne connaissez pas d'abord ce qu'il est et ce qu'il fait. Pour recevoir quelque chose de Dieu, vous devez connaître ce qu'il est et ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'il viendra vers vous. Amen. Amen. Même quand vous dormez la nuit, il viendra certainement. Il vous répond. Il va répondre à votre préoccupation. C'est ce que Dieu fait. Vous devez avoir la foi. Prenons l'exemple de trois Hébreux. On leur avait interdit de prier leur Dieu, mais plutôt de s'agenouiller devant la statue de Nabucodonosor. Et ils ont dit, nous, la foi que nous avons, ce n'est pas de nous agenouiller devant la statue, mais c'est plutôt de nous agenouiller devant Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est Jésus-Christ dans le nouveau, c'est devant nous que nous devions nous ingénieurs. Alors on a amené le rapport chez le roi Nabucodonosor. Oui, Nabucodonosor a dit, comme ces Hébreux-là ne veulent pas obéir à ma loi, alors ils seront brûlés. Ils seront brûlés. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même s'est approché de ces trois Hébreux pour leur dire, je vous avertis pour la dernière fois, jeune garçon, ou soit vous agirez devant les statues, ou soit vous serez brûlés. Les trois Hébreux avaient la foi envers leur Dieu. Jeune garçon, misato ya baebele, bazalaki lokondime pa na nzambe na bango. Il y avait Meshach, Shadrach et Abednego. Bazalaki Meshach, Shadrach na Abednego. Ils ont dit, malobi, même si vous nous jetez dans la fournaise, si bokondi, attends quoi qu'il soit la lutte pour la mort. Il y aura la résurrection un jour. Lisez quoi mokola mokwa kozala. C'est Dieu là que nous adorons. Tombo bisho de sambelaka. Est capable de nous ressusciter. Azala mokwa ki mokola wala kosaku sabisho. Ils attendaient à la résurrection. Dieu a préparé quelque chose. Alléluia. Le moment qu'on les a menés vers la fournaise, alors il y a un combat là-bas au ciel. Les anges ont commencé à se discuter. Ils ont dit au Dieu, envoie-moi. Michael dira, Seigneur, envoie-moi. Dieu regardait. Il a dit, ce n'est pas question des anges. Je fais des salles plutôt moi-même. Pourquoi? Les gens là m'ont défendu. Et comme le moment de leur mort est arrivé, ce n'est pas vous les anges, mais c'est plutôt moi-même qui est. Oh, gloire à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé là? Les trois Hébreux ont été liés. Ils furent jetés. Il y avait l'ange qui a fait pleuvoir à l'époque de Noé. Absente. Moi je vois un le colonel. Absent a déclaré. Absent a dit Dieu, envoie-moi. Je vais inonder la fournaise. Parce que tout le monde est en
Mali. Pour que ce frère soit peut-être. Dieu dira. Absente pas toi. Absente, malgré que tu as joué ton rôle à l'époque de Noé. Maintenant c'est moi-même. Michael. Envoie-moi. Je vais descendre rapidement. Dieu dira. Michael. Michael. Pas toi. Yote. C'est moi-même. Gaïboko. Vous savez ce qui s'est passé. Dieu est descendu avec un vent violent. D'abord pour quoi? Enlever la poussière qui était dans le corps de ces trois gens-là. Et il est descendu même dans la fournaise. Oui. Et quand le roi a regardé, il a vu quatre personnes dans la fournaise. Oui. La Bible dit que la fournaise a été chauffée à 1700 degrés. Libérez la moto là-bas. Tumba qui monte qui est à 1700 degrés. Oui. Jusqu'à tel point si vous passez à côté là, qui est personne qui est à côté de moi. Vous êtes brûlés aussi tout. D'ailleurs pour preuve, les gens qui ont amené les trois Hébreux, les trois Hébreux ont été brûlés. Mais les trois enfants de Dieu sont restés là sains et saufs. Même les poils de leur corps n'étaient jamais brûlés. Pourquoi? Ils ont pris position pour Dieu. Et Dieu aussi a pris position pour eux. La Bible dit que si vous demeurez dans sa parole, que sa parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Si elle va s'accomplir, les trois Hébreux sont restés fidèles. Ils ont dit, Seigneur, c'est toi que nous avons adoré. Nous n'avons pas adoré un Dieu de statue. Et c'est toi qui as le pouvoir. Et nous défendre. Dieu ne les a jamais abandonnés. Il s'est fait la quatrième personne dans la fournaise. Amen. Il s'est fait la quatrième personne dans la fournaise. Et ces gens-là se sont regardés. Ils ont dit, mais n'avons-tu pas jeté trois personnes là-bas? Mais là, nous voyons quatre personnes. La quatrième personne, là, c'est qui? La quatrième personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Il est descendu pour défendre ses enfants. Même moi qu'il fait pour nous qui sommes ici. Là, vous dormez là. Peut-être la famille a comploté contre vous. Vous êtes en train de ronfler. Il y a une présence qui vous protège. Il y a une présence qui vous couvre là où vous êtes. Oh, sa lumière réelle tout autour de vous. Il va quand même calmer les esprits de votre famille, les esprits même de voisins, les attaques du diable. Et vous touchez là où vous êtes. Il y a un rayon tout autour de vous. Le rayon là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, il ne nous laissera jamais orphelins. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc partout où vous allez, Dieu vous accompagne. Même si vous ne le voyez pas, il est avec vous. Amen. C'est ce qu'il fait depuis l'Ancien Testament. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, prenons maintenant l'exemple de la deuxième personne. Daniel. Daniel ne faisait que prier chaque midi. Daniel, oui, il priait chaque midi. Midi. Malgré qu'il était dans le gouvernement de Babylonais. Oui. C'est pourquoi, frères et sœurs, peu importe la responsabilité qu'on peut vous donner,
Peu importe votre niveau, si vous lâchez la prière, vous n'aurez plus de force. Vous pouvez même être attaqué là où vous travaillez. Vous pouvez même être abattu par les gens de ce monde. La force d'un chrétien, c'est la prière. Restez toujours derrière la parole de Dieu. Amen. Amen. Daniel était là. Daniel a salaki wana. Oh, mais c'était prêt là. Oh, moi la baba liwana ben. Ne fais que prier à tout moment. Yeah, à ce bon de la tango nyos. Ne plus lâcher la prière. Ils ont comploté même pour lui. Basalo liya likita. Il allait faire même signer un degré loi auprès du roi Darius. Bakayiko pesa soki soki pana mokodi. Azwe kate le mokodi Darius. Pour que les gens ne prient plus. Peut-être bato basamba la soupe. Et les gens n'invoquent pas d'autres dieux. Ouais, bato babel la soupe basamba la soupe. Tout cela il cherchait la mort de Daniel. Frères et sœurs, la chose que je peux vous dire ce matin, si vous êtes ancré en Jésus-Christ, si vous êtes attaché totalement dans la parole de Dieu, rien ne vous vaincra. Que ce soit Lucifer lui-même, que ce soit les démons de ce monde, ne vous vaincront jamais. Pourquoi? Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Ils ont signé un décret loi que cet hébreu-là ne doit plus prier et on doit suivre son mouvement. Qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'il voit que Daniel commence à se déplacer, ils sont là en train de donquer. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est entré dans son endroit là. Allons voir. Et ils ont trouvé Daniel en flagrant de la prière. Et ils ont amené la situation chez le roi. Oh roi, cet homme n'a pas obéi à ta loi. Il doit mourir. Où est-ce qu'il doit mourir? On doit l'amener dans la fosse au lion. Être bouffé vivant comme ça. Oui. Être bouvet vivant, balayer na pomoi. Si vous êtes certain que Dieu est Dieu, il est Dieu. Yeba yango atikalinza. Et il fera. Yeba yango akosala yango. Il fera. Akosala. Il va agir. Akosala. Même si vous arrivez au point de votre pensée, attention qu'il n'est pas comme une souka. Dieu ne vous abandonnera jamais. Sambe akosumbola yote. Amen. Amen. On a arrêté Daniel. Makagi Daniel. Oh, ils ont commencé à avancer vers la fosse au lion. Baba liko pousse la kilo libulu la gore. Les frères qui étaient quelque part ont commencé à prier pour lui. Bande ko basala ki kula baba liko bonde la pola Daniel. Ils ont intercédé. Basali ko lobela pada pola Daniel. Daniel a dit, Daniel Lobby, oh Dieu, je n'ai pas servi le Dieu de ce monde. Et c'est toi, Yonde, chauffeur que j'ai servi. Tombe pour moi. Protège-moi. Le moment qu'on lui a fait entrer là, la colonne de feu est descendue. La colonne de feu s'est placée entre lui et le lion. Le lion qui était privé de la bouffe. Le lion qui était affamé n'ont pas pu toucher Daniel. Pourquoi? Daniel était un chrétien. Daniel a salaki mon Christ. Il était un enfant de Dieu. A salaki mon Nzambe. À Babylone, il n'y avait pas des églises. La Babylone, l'église, ma Christ, a salaki mon Christ. Où les gens peuvent se réunir comme nous sommes. Ma Christ, ma gogo, quel est le gola tosa? Il n'y en avait pas. A salaki te. Il vivait tout simplement selon la loi. A salaki mon Christ. Amen. Amen. Ils sont restés là. Fatigué la gika kakuna. Et ils ont gardé la parole de Dieu pire. Quand cette église a salaki te, baba tel qui le balance de pète. Ils sont restés fidèles à la promesse de Dieu. Fatigué la. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avec nous qui venons à l'église à tout moment. En sortant d'ici, on met la Bible quelque part. On retourne dans les choses du monde. Vous commencez à commettre encore les péchés. La prostitution. Les tiches. Les critiques. La haine. La jalousie. Tout cela ne vous amènera nulle part. La Bible dit que le monde et les choses du monde passeront. C'est celle la parole de Dieu qui demeure
éternellement. Amen. Amen. Vous offensez quelqu'un. Allez le voir. Allez vous repentir. Mettez votre vie en ordre. Et l'autre chose que je vous dirai. Si depuis que toi tu as commencé à prier. Chaque fois que tu fais quelque chose de mal. Tu ne sens aucune condamnation. C'est que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. C'est la chose qui a amené Nicodème d'aller voir Jésus. Oui. Parce qu'il manquait la nouvelle naissance. Ouais. Nicodème est allé dire à Jésus. Rabbi, je sais que tu es un homme venu de Dieu. Parce que si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas faire ce miracle que tu fais. Alors que dois-je faire maintenant pour hériter le royaume de Dieu? Jésus lui dira, tu dois naître de nouveau. Nicodème dira, mais moi je suis devenu vieux. Avec les cheveux blancs. Avec les barbes blanches. J'ai donc retourné dans le ventre de ma mère. Un naître. Jésus lui dira, c'est lui qui naîtra d'eau et d'esprit. Ne peut pas voir le royaume des cieux. Vous allez me poser la question. Pasteur, qu'est-ce que signifie la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est le fait de prendre possession de quitter les péchés de ce monde. Et vous attachez à Christ et suivre uniquement Christ. C'est une conversion. Vous abandonnez les choses du monde et vous attachez uniquement à la parole de Dieu. Vous vous attachez à Christ. Vous choisissez Christ comme votre sauveur personnel. Et ce n'est pas terminé là. Il a dit, celui qui naîtra d'esprit et donne jamais le roi de Dieu. Pouvez-vous convertir là, c'est très bien. Mais vous devez prendre la position. Il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Le livre de Acte 2:37 en parle. Oui. Les gens se sont posé des questions. Ils ont dit à Pierre et autres disciples. Mais ces gens qui sont là sont ivres du vin doux. Et ils parlent en de nouvelles langues. Ils ne sont pas tous des Hébreux et des Galiléens. Pierre s'est tenu devant eux. Il a dit que ne croyez pas que nous sommes ivres du vin doux. C'est la troisième heure du jour. C'est ici ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Et dans les derniers jours, que vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards verront de quoi des sons. Des jeunes gens de vision. C'est ça qui a été prédit. Et vous tous qui êtes là, vous devez connaître que Dieu a fait Seigneur et Christ. Et c'est Jésus que vous avez crucifié. Peut-être là où vous êtes, vous pouvez dire, moi je n'étais pas là. Oui. Mais ces gens-là, quand on tuait Jésus, vous savez ce qu'il disait? Que le sang de Jésus tombe sur nous. Sur nos enfants. Et sur ceux qui viendront après nous. Nous tous qui sommes ici, nous sommes de la descendance d'Abraham. Amen. Amen. Vous êtes sous la mort de Jésus-Christ. Vous êtes dans ces péchés-là. La Bible même le dit. Et celui qui est né d'une femme et d'un homme. Et sous le péché de la mort de Jésus-Christ. Maintenant, les gens qui écoutaient Pierre ont posé la question. Oh, Pierre, il en est ainsi. Mais frère Pierre, mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour être sauvés?
Pierre leur dira, repentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir en vous. Si vous n'êtes pas baptisé conformément à la Bible. Amen. Amen. Ce jour-là, Pierre a baptisé plus de 3000 personnes. Et après, il est avoir imposé les mains. Il reçoit le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Pour aller à l'enlèvement, il faut le Saint-Esprit. Pour la guérison des malades, il faut le Saint-Esprit. Pour la délivrance totale, il faut le Saint-Esprit. Amen. Et moi je vous pose la question. Depuis que vous avez crié, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? La réponse est dans votre cœur. Amen. Et si vous êtes baptisé autrement ce qui est écrit dans la Bible, c'est un faux baptême. Amen. Le baptême ordonné par Dieu lui-même. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu 28-19, Jésus a ordonné aux disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde entier et de baptiser les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais avant qu'ils aillent, Jésus leur avait dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et lui vous conduira dans toute la vérité. Dans le livre de Luc 24:47, la Bible dit que la repentance et le pardon des péchés doit être prêché au nom du Seigneur Jésus-Christ. En commençant par Jérusalem et descendre ici dans l'assemblée. C'est quelle assemblée? École du berger. Dans l'église, école du berger. Ça va pas bon, papa Pacheli. Amen. Amen. Donc nous sommes là tous. Nous sommes obligés de suivre les empreintes des pas de Pierre. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit qui nous conduira vers la destinée. Amen. 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 C'est pourquoi ces jours-là, les gens qui ont écouté Pierre firent baptiser plus de 3000 personnes. Ils n'ont pas reçu le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Père, ce n'est pas un nom. Tata, c'est un nom commun. Et ça comme on peut pas un nom propre. Et ça comme mais notre Dieu a son nom propre. Le nom propre de notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui Emmanuel qui devait venir. Emmanuel, Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Amen. Amen. Lui était avant que ce monde ce soit. Emmanuel Azalaka Libosete Bokilo Zala. Oui. Io. La Bible dit qu'Abraham même a payé sa dîme à cet homme-là. Bible le dit Abraham a foutu un moko na zo mais pas na yé. En ce moment-là, il était appelé Elohim. Attends, voilà, bah benga créé Elohim. Amen. Amen. Or celui qui est Elohim. Soga, où est Elohim? Jéhovah. Jéhovah. Dieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est la même personne. Et c'est quelqu'un de tout. Amen. Vous comprenez cela? Vous êtes sur la gauche. Il n'y a pas de confusion dans vos têtes. Concernant beaucoup de tels mots là-haut. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et retournons maintenant dans notre prédication. J'ai voulu épingler un peu quelque chose là. Il dit ceci. Quand vous avez fait ce que vous savez être juste. Quand vous avez satisfait à ses exigences. Quand vous avez confessé, rectifié et fait des restitutions. Quand vous avez et que vous avez déposé cela devant Dieu. Peu importe combien il est silencieux.
silencieux. Il n'est pas moins Dieu. Attendant que cette foi entre en action. Vos œuvres, vous les avez faites. Maintenant, il veut voir votre foi par vos œuvres. Il veut voir ce que vous allez faire. Parce que si vous écoutez la parole de Dieu, mais vous devez vous repentir de tout, quoi, tous vos péchés. La parole de Dieu nous amène à la repentance totale. Amen. Amen. Et ici, awa, la Bible dit que la repentance c'est la restitution. Vous avez volé quelque chose d'autrui. Pour que ces péchés-là vous soient pardonnés, allez restituer. Vous avez critiqué quelqu'un. Pour que ces péchés-là vous quittent. Mais allez vous repentir. Vous avez pris la femme d'autrui. Pour que ces péchés-là vous quittent. Vous devez aller voir son mari. Kende, beaucoup t'en a mobile na yé. Vous voyez? Bon, moi, les gens jouent avec la parole de Dieu. Bah tous les lots baso salama seki là le bananzambe. Toi tu es une femme d'autrui. Yo bala. Ah, tu veux aller te donner à une autre personne. Pour que ce péché-là termine. Paul likama le sumu et kobo saluane sila. Vous devez prendre votre mari. Et allez, vous allez voir maintenant la personne. Ah, c'est comme ça. Et ça les maintenant, observez ce qui va vous arriver là. C'est grave. Et ça somme. C'est pourquoi ceci doit nous amener à mener une vie de sainteté. Notre objectif, hein, c'est d'aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Dieu nous attend quelque part. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Quand il viendra, il ne prendra pas n'importe qui. Il prendra celui qui se conforme à la parole de Dieu. C'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit. Le monde est pourri aujourd'hui. Mokililelo, et c'est poli. Partout vous passez, c'est le péché. Bisiganyo sokoleka. Partout vous allez, c'est le problème. Okendebo, mikakatano. Maintenant, pour être protégé de tous ces péchés, ces problèmes, siko pobate la manami kakatano na masumu. Il faut que l'esprit de Christ soit en vous. Eko segela bolima Christo za la katira. Et cet esprit là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Bolima ngo eza le baptême bolimo Saint. Et je viens vous montrer si comment recevoir le Saint-Esprit. Hautu la xabina ndeli baswaka bolimo Saint. Repentez-vous de tous vos péchés. Pongola botema la masumu. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême, ce n'est pas un peu d'eau qu'on va mettre sur votre tête. Non. La Bible nous a présenté comment se faire baptiser. C'est l'engagement que vous allez prendre. Le baptême, c'est par immersion et non par expersion. Quand vous enterrez donc entièrement dans l'eau. La Bible dit que vous allez mourir ensemble avec Jésus. Et en sortant, vous résistez avec Jésus-Christ. Et Dieu prend tous les péchés que vous avez commis. Il les jette dans la mer d'oubli. Il ne les verra plus. Et vous devenez une nouvelle créature en Christ. Et à ce moment-là, Dieu sera obligé de moindre de son esprit. Vous conduire, vous protéger, combattre même contre vos ennemis. Quand quelqu'un se prépare là pour vous jeter l'embassou, c'est plutôt lui-même qui va recevoir cet embassou-là. Amen. Amen. Dieu combat pour les saints. Depuis l'Ancien Testament, il continue encore le faire aujourd'hui. Amen. Amen. Il continue encore le faire. Parce qu'il ne change
change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu peut laisser les épreuves, les quoi, les tests que vous arrivez. Tout cela pour voir où est-ce que vous avez placé votre foi. Pour voir si vous lui croyez vraiment. Parce qu'il y a de ces épreuves là qui peut arriver à une personne et la personne abandonne même la parole de Dieu. Mais c'est maintenant la chose que je peux vous dire. Si il y a un endroit où vous devez aller, où vous devez être en sécurité, en paix, c'est dans la parole de Dieu. Pas autre endroit. Vous pouvez aller chercher un féticheur qui vous donnera le féticheur. Peut-être il va garder votre vie autant d'années. Mais l'auteur de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez aller chercher le fétiche. Ou peut-être pour être supérieur aux autres. Ou faire d'autres choses. Et quand vous vous trouverez devant une personne qui a une puissance dépassant votre puissance, vous allez mourir ce jour-là. Mais il y a un homme. Un homme qui est au-dessus de tout homme. C'est l'homme de Galilée. Oh, ce jour-là. Quand on l'a mené vers la croix. Il s'est abandonné totalement. Il n'a pas voulu se défendre. Il marchait comme un petit bambin. Il s'est laissé être malmené. Par les pharisiens. Par les sadducéens. Même par les sacrificateurs. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Oui, la chose qu'il a mené vers la croix là, c'est pour que tes péchés te soient pardonnés. Pour que mes péchés te soient pardonnés. Et tous, que nous puissions recevoir la vie éternelle. C'est pourquoi quand tu l'as mené là-bas, avec la croix, on le flagellait. Il ne pouvait même pas ouvrir sa bouche. Il défendait quelque chose. C'est l'autre salut. Amen. Amen. Et si toi tu continues encore à commettre le péché aujourd'hui, la Bible dit que tu crucifies le Seigneur Jésus-Christ pour la seconde fois. Amen. Amen. Or Jésus ne devait mourir qu'une seule fois pour nous. Amen. 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 C'est ça. Quand vous écoutez la parole de Dieu, votre vie doit être changée. Votre manière de faire doit changer. Vos comportements doivent changer. Que les gens vous pointent les doigts. Ah, cette sœur-là, vraiment c'est une véritable sœur. Ah, ce frère-là, vraiment c'est un homme de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Il ne se mêle pas aux choses du monde. L'homme Christ, côté de Amen. Amen. Toi qui es chrétien, quand on jette un coup d'œil, on te voit parmi les gens qui prennent du vin. On jette un coup d'œil à côté. Tu es à côté de ces gens-là qui dansent le ndombou. Mais quels sont les chrétiens? Non. Un chrétien, c'est un peuple mis à part. Mon Christ, à sa moto, le côté pour battre mon pandi. Et tes comportements doivent être connus de ton entourage. Oui. Si je viens poser la question, quel est le comportement de notre frère qui est ici? Les gens sauront. Ce n'est pas bien. Amen. La conversion. Doit nous amener à mener une vie comme la vie de Jésus-Christ. À suivre les empreintes des pas de Jésus. C'est comme ça qu'on vous appellera chrétien. Parce qu'être appelé chrétien, c'est avoir l'esprit de Christ en vous. Amen. Amen.
vous menez une vie de monde. Vous menez une vie du monde. Mais vous vous dites que vous êtes chrétien. Vous faites la contradiction de la parole de Dieu. Non, vous menez une vie contraire à la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Mais quand vous confessez ouvertement que Dieu est le même Dieu, et que vous remettez votre vie entre ses mains, disant, Seigneur, je suis l'argile, toi qui es le potier, alors demandez ce que vous voulez. La foi ne bougera jamais. Elle ne quittera pas sa place. Même si la situation semble se désagréger de tous côtés, néanmoins cette foi là ne bouge jamais, parce que vous êtes ce qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, il tient sa promesse. Il ne peut pas faire une promesse et la rompre. Non. S'il est Dieu, il doit tenir la promesse. Amen. Oh, combien j'aime cela. Oh, bon, un amen. Jour. Amen. Elohim est allé voir Abraham. Abraham était avancé à l'heure. Il ne savait pas s'il aura encore un fils. Et quand il fut arrivé là, Abraham a très bien réussi. Il a ordonné sa femme de tuer son veau gras là, de faire du lait. Quand Dieu a bien mangé, il a bien bu. Il a dit, je ne cacherai jamais le secret que j'ai dans mon cœur. Alors il lui dira, elle était avenue. Oh, Nambula ou Saligoya. Ah, Bambula. Mbula wa soya huyo. Bambula ba. Bambula wa soya. Ok, tu auras un fils. Okokota mwana. Amen. Amen. Abraham s'est regardé. Mais comme il avait la foi, il a directement crié. Mais la femme qui avait une foi ballottante là, elle a commencé à rire. Elle a commencé à rire. Abadiko seka. La Bible dit que Abraham est allé déjà préparer la place où devait coucher sa femme. Abraham a quitté Kobongisa maternité parce que Kobongisa Kobongisa déjà. A quitté Kobongisa. A quitté Kobongisa place là. A quitté déjà Kobongisa la réservation. Amen. Amen. Malgré que Sarah Harry. Attends Kobongisa c'est qui? Et Dieu lui dira. Mais pourquoi ta femme Sarah Harry? Pourquoi il m'a sur le Sarah c'est qui? Pourquoi elle a ri? Ah c'est qui boy? Et la femme était derrière la tente. Moi, j'ai la gueule la mais comme notre Dieu est celui qui voit même à l'invisible. Il a vu la pensée de Sarah. Il a vu que Sarah a ri. Amen. Amen. Mais Dieu est resté dans sa promesse. Abraham qui est resté dans cette foi-là finirait par recevoir quoi? Qui suka suka yiko swanini Isaac azwa kimwana Isaac est venu Isaac yake. Abraham est passé par les divers problèmes. Abraham a lekala bakambele. Après avoir reçu son fils là unique, Simagosobwana ne kaka moko wana. Dieu lui dira, va avec ton fils le sacrifier à la montagne. Tende la mwana wana kelo kopese mbeka. Quelle épreuve? O komeka mani. Si c'était nous qui sommes ici. Chaque zaki biso bayito zalia. Olo hale, na kusambela sute. Et si lui pasteur patela zo kosa batona kusambela sute. Na kusambela, ndamwa na zo tisa. Sambe wala, pese ka mwana wana pasi chuka zwali susu. Ah, na boma yesu. Na boma ye. Ah, église wala kwa sute. Mais Abraham, s'est accroché dans cette foi là. Atika Amen. Amen. Et comme il a mis sa foi à l'épreuve, là ils sont arrivés pour sacrifier son fils. Il a pourvu d'un bélier. Sans un pâté.
Amen. Amen. L'enfant pouvait lui poser même la question. Moi, na Isaac atuni motuna. Papa, là où nous allons mêler ça. Papa, na moni to matangomba. Bogo mbekango to kopesa ça. Oh Dieu pourvoira. Alobi na moi na vana ki menza ba kopesa. Ah. L'enfant ne savait pas que c'est lui qui devait être. Moi, la yébité est que yéne mbe kabake kopesa. Voyez, bon moni. Mais la foi d'Abraham a fait que Dieu puisse lui répondre donc positivement. Amen. Amen. Si vous satisfaites aux exigences de Dieu, peu importe les épreuves que vous avez vécues. Amen. Amen. Peut-être tu as cherché l'argent. Tu as cherché le mariage. Le mariage ne vient pas. Tu as cherché quand même à recevoir un problème quelconque. Ça ne vient pas. Mais il y a un homme. Et ça, la moto qui te suivait là où tu es. Quand tu te déplaces là, cet homme-là t'accompagne. Il est infaillible. Il est invincible. Il est la solution de tout problème. La Bible dit, même si tu arrives au point où tu manques même un peu d'argent pour acheter les babouches de ton enfant, tu as essayé de chercher de gauche à droite. Tu as fouillé de côté de ton mari. Il ne t'a pas répondu. Il a demandé à ton père. Il ne t'a pas répondu. Il a demandé à maman. Il n'y a pas de réponse. Il y a un homme quelque part là qui est capable de te bénir, qui est capable de te répondre, de te donner la solution à tous les problèmes. Même si la situation semble se déséquilibrer, néanmoins cette foi ne bouge jamais, parce que vous êtes certain qu'il est Dieu. Amen. Amen. Et s'il est Dieu, il est obligé d'agir. De la même manière qu'il agit avec les trois Hébreux. De la même manière qu'il agit avec Daniel. Il le fera aussi avec vous. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui, et éternellement. Même dans la maladie. Maintenant, ce démon a dit, a pris autant. Pour le cancer, ou le myome, ou n'importe quel démon, il n'y a aucun démon qui peut résister devant Dieu. Si Jésus est mort à la croix de Golgotha, c'est pour nous accorder la solution à tous nos problèmes. Soyons tout simplement certains qu'il est Dieu. Et il viendra de la même manière. Il a agi pour Daniel. Il a agi pour il a agi pour David. Il est le même aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Il ne change pas. Peu importe le problème que tu as là. Et tu peux croire que Jésus est vivant. Et siècle de siècle. Avant que tu quittes ici, il ne peut pas partir avec la solution de Dieu. Amen. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi le livre d'Esaïe 41:10 dit, ne crains rien. Esaïe 41 verset 10. Je suis avec toi. Alobi yo kobanga te ponga inzambe na sana yo elongo. Ne promène pas de regards inquiets. Kobalu sagabalaka misute lokola muta zange yanu. Car je suis ton Dieu. Pote na inzambe na sana zambe na yo. Et je te fortifie. Na inzambe ne mutu na so peso makasi. Je viens à ton secours. Na indela yela ka lusungi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Na indela yela ko lusungi na loboko langa mobali yanguya. Alléluia. Amen. Quand tu es faible là, il a cherché la solution. Et la solution ne vient pas. Ne t'inquiète pas. Il y a un Dieu à côté de toi. Lui qui te soutient dans par sa main droite. Lui qui te fortifie. Et il t'amènera à répondre à la solution. Amen. Amen. Parce que devant lui, il n'y a pas d'impossibilité. La veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta. Mon a terminé le
petit poignet de farine. Farine à et mourir avec son fils. Mais Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Quand vous arrivez au bout de votre force, vous avez fouillé de gauche à droite. Il n'y a pas de solution. Lui est là pour vous accorder la solution. Amen. Il a pourvu de la farine. La Bible dit que la farine, il est votre farine, représente Christ Jésus. Et pas le Christ Jésus. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et les deux choses marchent ensemble. Amen. Amen. Et la parole et le Saint-Esprit marchent ensemble. Et Jésus-Christ, c'est lui le puissant conquérant. C'est lui le Saint-Esprit. Quand il vient, c'est pour nous bénir. Pour combattre contre nos adversaires, pour nous accorder la solution de tous nos problèmes. Il dit ceci, et l'heure est venue maintenant, où le grand drame, où les scènes de Dieu concernant la dernière pluie, c'est Joël. Joël a dit, il arrivera que le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Je montrerai les signes en haut dans le ciel et les signes en bas sur la terre et les colonnes de feu, la même colonne de feu qui conduisait Moïse, la même colonne de feu qui est descendue dans la fosse au lion entre Daniel et le lion, cette même colonne de feu va revenir dans l'église. La colonne de feu, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui accomplit l'œuvre de Dieu. Pour avoir des signes, des produits, des miracles dans l'église, il faut que la colonne de feu soit dans votre église. Amen. Amen. La colonne de feu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je montrerai le signe d'en haut dans le ciel. Et le signe en bas sur la terre. Et des colonnes de feu. Et une vapeur de fumée. Il arrivera avant que le jour redoutable et serein arrive. Que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous attendons le jour grand. Le jour de la l'enlèvement. Mais avant que cela arrive, il faut que Dieu démontre ses enfants dans ce monde. Il faut que la puissance du Saint-Esprit, la démonstration, l'esprit qui accompagnait Paul, venir dans l'église. Pourquoi? Pour confirmer les écritures. Amen. Parce que la Bible dit dans Jean 14, 12, et celui qui croira en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même le plus grand nombre. Qu'est-ce que Jésus avait fait quand il était sur la terre? Il a guéri les malades. Il a délivré les captifs. Il a résisté les morts. Ou il a ramené quoi les sourds. Les paralytiques ont marché. Pourquoi nous ne voyons pas ces choses-là? Les gens prennent la parole de Dieu à la légèreté. Ils ont mis la parole de Dieu dehors. Mais si la parole de Dieu est en vous, Dieu est obligé. Il est obligé de confirmer sa parole par des signes, des produits et des miracles. Amen. Il a promis. Il est obligé d'accomplir. Amen. 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 C'est pourquoi nous sommes en train de vivre cette époque-là. Oui.
Nous pouvons voir les mêmes choses qu'avait vécu Pierre. Pierre pouvait prier pour les malades. Les malades étaient guéris. Des fois même, on mettait les malades tout au long de la route. Oui, quand Pierre passe là, son nombre qui touche les malades, les malades sont complètement guéris. Sans qu'il les touche même, il a dit, ce que moi j'ai fait, vous aussi vous le ferez. Amen. Amen. Toi qui es venu avec la maladie, toi qui es venu avec un problème, si tu peux croire que Jésus-Christ est le Père, hier, aujourd'hui, et éternellement, vous êtes obligés de recevoir la solution maintenant. Oui, maintenant même, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai voyagé au Canada, j'ai prié pour une dame. Une dame là était atteinte du cancer du cœur. Voilà, ça l'a dit, le cancer et la matrice. Les vers sortaient même là. Makila, peu bangoussou, et son pima. Bangoussou, pene poli, et son pima. Tombé par terre, et son quoi la sait. Elle était pourrie. À moi, ça s'appelait la carte. Les médecins, Baminganga, Bamindele, Mindele, Minga. Il n'y a plus d'espoir. Alors, pour la moi, je suis. Vous l'amenez l'attendre la mort. Mais maintenant, on a quoi, c'est la moukola. Mais après ma prière, quand je suis malibo, on a lu en bas. Il a guéri complètement cette femme là. Tout ce mois, sur elle. Elle est en parfaite santé même. Mais là, ça lui a dit, oui, yo, elle est là. Azana Canada. Amen. Amen. Ici, awa, j'ai prié pour une personne. Une personne qui était mourante. Avec un cancer du cerveau. Un cancer du cerveau. Oui. Yo. La personne est entrée dans le coma. Plus d'un mois. Elle est le coma. Ça lui un mois de coma. Et sa fille est venue me voir là. Pour me dire, oh papa, papa, si nous pouvons aller là-bas, papa est en train de mourir. Papa, la biche, je ne sais que faire. Mais vous en faites pas, ma prédication est déjà terminée. Et je vais vous dire quelque chose avant. Vous vous amenez à Marie. Amen. Amen. C'est ce que je veux faire. Oh, la fille me dira, papa, si nous pouvons aller là-bas, je lui ai dit, ma fille. Je n'ai pas le temps d'arriver là. Mais va à l'hôpital là. Comment dans l'hôpital est-ce que papa est allé? Dès que tu arrives là, tu m'appelles. Comme ça, tu vas mettre ton téléphone sur son oreille. Ah. Oh non, il ne parle plus. Il n'ouvre même plus les yeux. Moi je lui ai dit, dans la lobby, amène ce show, amène le téléphone là où il est. Mais maintenant que le téléphone est si gazali. Amen. Amen. Quand la fille est arrivée, là, elle s'est trouvée son papa mourant. Elle m'a téléphoné. J'ai prié. Après que j'ai terminé la prière, cet homme-là s'est réveillé. Papa, voilà, il a ouvert les yeux. Il s'est mis sur le lit. Il est venu témoigner là-bas. Il dit que papa, vous étiez là ce jour-là. Oui. L'autre aussi faisait des crises comme. Un épileptique. Or, il avait aussi un cancer de cerveau. Ah! On a trouvé le cancer. Malgré le traitement. Malgré tout ce qu'il a suivi là comme prière. Ça n'a pas tenu. Et ce jour-là, son père m'appellera. Son père était un. Il est un professeur. Hein? Papa naye asa professeur à l'université na Ista. Et un agent cadre là. L'RVA. Dans un cadre de l'RVA. Ah. Il dit, mais moi, je suis arrivé au bout. Alors, pasteur, je ne sais plus que faire. Et je n'ai même pas l'argent pour l'amener même à l'étranger. Pour l'amener même à l'Afrique du Sud. Je les ai dit, envoie-moi l'enfant à la maison. Ma maison n'est pas loin. C'est quelque ici à Mongafou. Alors, ils sont venus avec les mamans. Après la prière, si quand ils sont repartis, Basongi, ils sont allés quand même voir les scanner. Ils ont vu qu'il y avait une tumeur dans son cerveau qui est maintenant enlevée. Dieu a enlevé cette tumeur dans son cerveau. Et la crise qu'il faisait là est terminée complètement. Oui, il est là. Azali. Amen. Amen. L'autre même était mort ici. Monsieur, vers l'hôpital Lisungi. Vers l'hôpital Lisungi. Ah.
On m'a appelé. J'ai dit, mets le téléphone dans son oreille. Bonjour, téléphone, bon, tiens, l'alito et bembe. L'alito et bembe. L'alito et bembe. J'ai dit, mettez. J'ai prié. Et je l'ai appelé. La béguine. La sursauté. La poumoué. Elle est là. En salut. Vivante. Je suis là. Alors, vous qui êtes venus avec Peu importe le temps qu'avait fait si vous êtes certain que Jésus-Christ il est capable de vous accorder la solution. Il est infaillible. Sa promesse ne faillit jamais. Il est capable de vous accorder tout ce que vous désirez. Il guérit les malades. Il délivre les captifs. Il donne le boulot. Oui, il peut vous accorder tout ce que vous désirez. Même le mariage. Même n'importe quel problème. Il est capable de tout. Amen. Amen. Alors je vous demanderai là où vous êtes de prier un peu de mots. Ah, prier un peu de mots. Demandez ce que vous voulez. Et après moi je vais prier. Je clôturerai la prière. Soyez certain que Dieu existe. Et qu'il est le régulateur de toutes choses. Il est la solution de tout problème. Chantez-moi un bon cantique de médiation là-bas. Qui va amener les gens à entrer dans l'onction. Priez. Priez. Rien n'est impossible à celui qui croit. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Jésus est avec nous ici. Il est l'omniprésent, l'omnipotent. Il est l'omniscient. Ne regarde pas la durée de votre problème. Ne regarde pas aux conséquences qui vous arrivent. Mais regardez à l'œuvre qu'avait accompli Jésus à la croix de Golgotha. C'est là où il nous a donné la solution de tout problème. Amen. Amen. Priez. Priez là où vous êtes. Chantez.
puissant. Confiant de prêcher l'évangile. Là où tu comptes, son malade. Ton peuple est là. Libère-toi le bagoyo. Et laisse ceux qui ont écouté cette parole. Amen, amène une vie de sainteté. Que leur vie soit transformée. Que leur vie soit changée. Que tout ce qui les entoure. Comme une fécurité. Pourquoi la personne le problème? Pourquoi le carcasse il est quitté? Et tu te bats. Que toi tu as dit. Et tout ce que vous demanderez à Dieu. Pourquoi c'est dans la commande? Croyez que vous l'avez réussi. On dit votre sujet que vous pourrez s'accomplir. Seigneur Dieu tout puissant. Ils sont là. Des enfants sont là. Ils ont des problèmes. Ils ont des requêtes. Ils ont des difficultés. Ils ont des situations qui dépassent leur lequel mais l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha est capable de faire ma coquille et raccorder la solution. La copesse à ma bénis le Seigneur. Que le Seigneur Jésus. Que le quitte. Ouais, chacun d'eux. Pas que le l'onction. Pas que le chacun d'eux. Pas que le l'onction du Saint-Esprit. Que le mon frère rendre l'église. Pas que le grâce. Rendre Jésus. Pas que le Jésus. Que l'église. Glossia. Sois plein fort. Dans la mort. Ceux qui ont besoin de mariage, oh, bah, la poste, puissent recevoir au nom de Jésus. Bah, soyez, on a comme on a celui qui a besoin d'argent, oh, c'est la poste, mais c'est vrai, l'argent t'appartient, Seigneur. Ils puissent recevoir au nom de Jésus. Ah, on a comme on a que celui qui est chemin. Oh, c'est lui qui est chemin. Oh, c'est lui qui est se trouver l'emploi. Ah, c'est mon salaire. Au nom de Jésus. C'est lui qui est lié. Et à qui a les influences. À mon compte, des familles. À mon un lien de famille. Parce qu'il n'a pas le droit. La sorcellerie. La magie. Solo le fétiche. Qui si. Soit délivré. Au nom de Jésus. Comme le soit délivré. À pomme. Au nom de Jésus. Comme le soucris. Lorsque la puissance de la résurrection. Oui, elle sait quoi. La puissance du Saint. Nous voulons aller au Seigneur. Et pas de Jésus. De sentir quelque chose dans leur cœur. Celui qui a besoin n'importe quoi. Qui la solution de tout problème. Couvre le soutenir de de toutes sortes de bénédictions. Et ta présence, ta puissance, ta paix, leur soit accordée. Au nom de Jésus, bénis chacun de tes enfants. Sont venus ce matin ici. Bénis le pasteur Pacholi et tous ses collègues. Au nom de Jésus, bénis tous les
Que ta présence de paix soit avec chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Jésus-Christ soit à la bino. Croyez que vous avez réussi la solution de votre problème. Amen. Amen. Quant à moi, je m'arrête là. J'invite le pasteur. Daï Nasukiwana. Allez-y.